Salut à tous! Une vidéo de la série Vieux Geek qui va concerner un projet qui a existé entre 1995 et 2001, j'ai nommé FVWM95. Comme son nom l'indique, c'est lié à FVWM, un gestionnaire de fenêtres assez léger, et 95 parce que ça reprenait l'interface de Win95. Voilà. En gros, dans les gros traits, c'était pas du copie conforme. On n'était pas dans du KDE de l'époque qui vraiment recopiait l'ergonomie générale de KDE de Windows. Non. On est plus dans ça. Voilà. Avec un logo qui est vraiment très. Ouais, super. Donc c'était un hack. Parce que le projet a été abandonné apparemment en 2001. Parce que si on regarde la date de modification, 26 novembre 2001. Dans les différentes pages. Je ne sais pas si encore certaines qui sont encore valides. Non. Non, mais bien sûr, vous trouvez tout dans le descriptif, dans l'article de blog qui m'a permis de mettre en place, enfin, je vais retracer toute la mise en place de l'environnement que je vais vous présenter. Donc, voilà. En gros, c'était ça. Et avec quelques captures d'écran en GIF. Ouais, super. Voilà. En gros, au maximum, ça donne ça. Ouais, super. Win95, hein? Non, je vais vous montrer quand même en action l'ensemble. Donc pour ce faire, j'ai pris une Slackware 10 qui est la dernière en date à avoir proposé FVWM95. Je l'ai installée et vous allez voir la gueule de l'engin. Miam. Donc là, un Lido. Joie. Et là, je passe en plein écran, ce sera plus pratique. Donc là, c'est une Slackware 10 avec un noyau 2.4. Et oui. Ça ne rajeunit personne, qui date de 2004 de mémoire, juin 2004. Autant dire que ça fait à peu près 14 ans. Eh oui, déjà. Donc là, je me connecte en utilisateur simple et je fais un petit StartX. Et voilà FVWM95. Ouais! Là, évidemment, vous avez le bouton gauche pour le menu. Bouton du milieu pour les opérations et bouton droit pour le bureau virtuel. Donc là, tout en anglais, bon, mais ça reprenait le menu démarrer de Win95. C'est pour ça qu'ils ont appelé FVWM95. Je vous montrerai aussi après quelques applications qui existaient à l'époque. Les différents shells, les screensavers. Donc là, on a la charge du processeur, le externe. Et là, si je fais un petit uname, bien sûr, j'oubliais que le clavier est en anglais. Voilà. Nous avons un noyau 2.4.26. Bon, j'aurais pu mettre à jour l'ensemble de la Slackware 10, mais j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, nous avons la calculatrice, le terminal, XV, le célébrissime XV. Avec c'était un shareware qui permettait d'afficher des images. C'est sûrement le shareware le plus connu qui existe. Donc là, nous avons. Oh, je vais lancer XFM. Donc là, c'était un gestionnaire de fichiers. Je ne sais pas s'il existe toujours. En développement, bref. Voilà XFM pour tout ce qui est CD-ROM. D'accord. Et qui permettait de lancer pas mal de trucs. Voilà. Ça permettait aussi bien de gérer le bureau que de pouvoir lancer des logiciels. Donc là. Folder, on pouvait créer des nouveaux répertoires. XFM, là, sa version 1.4.3. Je ne sais pas si c'est toujours développé, mais c'était quand même pas mal pour l'époque, hein? Voilà. Pardon. Bien sûr, c'est normal. Alors, ça, c'était le File Manager. Donc, je vais vous montrer quelques autres outils.
Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans les jeux? Donc, je sais pas si, par contre, je sais pas si certains jeux vont se lancer. Hein. Oh! Oh la vache. Là, c'est un jeu de cartes, le X-Spider. Ouais, super. Bon, on va faire quitter. Non, on va tuer dans ce cas-là. Je sais, c'est pas bien. Donc, il y avait aussi le jeu d'échecs, normalement. Voilà. Nuchesse. Bon, il y a un peu des problèmes avec Nuchesse. J'ai pas installé certaines dépendances. Le Mahjong. Il n'y a pas très présent, je pense. Oui, d'autres absents avec Mahjong. Tant pis. Workman. C'était pour les CD, mais je sais pas si je l'ai installé le logiciel ou pas. J'ai pas dû l'installer. Les indispensables, yeux qui suivent la souris. On savait s'amuser à l'époque. Hein. Le logo X. Donc, alors les yeux qui suivent la souris s'égavent en bout d'un moment. Donc avec tout ce qui est les processus, là on a lancé un top. Vous voyez, c'est très gourmand. 73 mégas d'utilisé. J'ai que 128 mégas de machine, donc c'était hyper gourmand pour l'époque. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que X-Ray Manager existe. Non, je ne l'ai pas installé celui-là. Bon, mais tant pis. Donc, je vais voir si je vais installer GIMP. Oui! Oh, le GIMP de l'époque! GIMP 2.0. Oh là 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 là! Ça va piquer les yeux! Oh que ça pique les yeux, nom de Dieu! Oh pardon. Ce GIMP 2.02, ouais! Ça pique les yeux. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme application installée? Netscape, je lancerai après. XPDF. Pour afficher normalement les fichiers PDF, mais je sais pas si j'ai installé ou pas. Donc, j'ai pas dû l'installer, c'est pas grave. Ah, et les Macs de l'époque. Emacs 21.3. Ah, je me demande s'il y avait encore dans les jeux. Random Quotation, Multiplication Puzzle, la solitaire. Tiens, je me demande à quoi il ressemble le solitaire dans Emacs. Ah, c'est celui-là, oui, c'est le. Ouais, c'est pas celui que je pensais. Tower of Annoy, Life, Multiplication Puzzle, Solitaire, Tetris. Indispensable, bien sûr. Donc il y a tellement de trucs que. Pouf. Avec le calendrier. Bref. Donc on va lancer Netscape pour finir un peu cette vidéo. Alors là, bien sûr, il va me dire c'est un peu la merde. Donc genre pendant 5 minutes, ça va être un grosse chiasse parce qu'il va me dire. Ok, donc là, j'espère au moins que je vais pouvoir arriver à la fin du chargement de cette page. Donc, on va essayer. Cancel. Bien sûr, je pense pas qu'on va y arriver. Ça y est. Donc ça, je vais fermer ce. Voilà. Donc c'est un escape combien là? On a un flash 6. Oh la vache. Ah, un escape 7.1, basé à l'époque sur Mozilla 1.4. Oui. Avec le thème moderne, est-ce que le thème classique fonctionne? Donc bien sûr, il n'y a pas l'anglais, c'est pas, enfin pas français plutôt, je veux dire. Apparence, donc je vais mettre le thème dit classique. Qui montrait Netscape à la grande époque. Avant qu'Yu ne lui tranche la gorge. Voilà!
Ça pique les yeux, hein? Et oui, certaines personnes ont connu ça. J'ai connu ça. Ça fait quand même un peu vieux. Hein? Oula. Il n'y avait pas grand-chose à rajouter, c'était ça, FVWM 95. Il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter, c'était vraiment une interface, la Win 95. Et ça fait vieux. Très vieux. Donc là, on va lui dire de faire dodo. Et voilà, donc là je fais un sudo, c'est plutôt shutdown moins h now. Voilà, il va s'éteindre tout seul, je pense. Alors, vous avez vu quand même, FVWM95, c'était vraiment une volonté de reproduire l'interface de Win95, tout en étant plus utilisable. Et surtout plus stable, parce que, faut dire la chose, un Win95 et un Linux à la même époque, lequel des deux qui portait le plus? Ben le Win95. Ben, bon, Linux n'était pas super utilisable à l'époque, mais... Voilà, donc là, je suppose que c'est éteint. Voilà. Donc j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao!